L'importance qu'on accorde à un récit et sur les frontières qui séparent la réalité de la fiction. Mais d'abord, qu'est-ce que l'histoire avec un grand H? L'histoire, c'est notre mémoire commune, notre identité. C'est ce qui nous définit en tant qu'être humain. Pour nous tous, l'histoire est concrète, écrite, immuable. Il y a des dates et des événements dont on est parfaitement sûr. On les a appris à l'école ou dans des livres et on sait, on en mettrait littéralement sa main à couper, que ces dates sont exactes. Comme par exemple, Marignan, 1515, la prise de la Bastille, 1789, Christophe Colomb en Amérique, 1492, Robespierre, Galilée, Ravaillac, la guerre de Cent Ans, la guerre de Crimée, la guerre d'Algérie. En Algérie, les Français débarquent en 1830 et repartent en 1962. 132 ans d'occupation. Et pendant 132 ans, les petits Algériens ont appris à l'école nos ancêtres les Gaulois. Souvent, presque toujours, c'est le récit du vainqueur que l'on retient. Et dans tout récit historique, il y a, comme son nom l'indique, une part de récit. Chaque historien, même s'il tâche d'être le plus intègre possible, s'inscrit dans une époque traversée par des courants de pensée qui sont directement liés aux moyens d'information disponibles. Chaque historien est avant tout un homme. L'histoire ne peut donc pas être absolument objective. Elle évolue, elle est mouvante, s'estompe et s'enrichit. Notre passé, notre identité, tout ce qui nous définit n'est qu'un récit. Tout notre passé est une fiction. Ensuite, qu'est-ce qu'une histoire, une petite histoire? Ce sont des mots, du vent, de l'air en vibration. Ce n'est rien du tout. Prenons une religion au hasard, le christianisme, qui repose sur le judaïsme, par l'intermédiaire de la Bible d'ailleurs. Et qu'est-ce que la Bible sinon le plus formidable réservoir d'histoire qui soit? L'arche de Noé, le jardin d'Éden, la résurrection de Lazare, la multiplication des pains, la Pentecôte. Des histoires. Des histoires sur lesquelles s'appuie une pensée philosophique et spirituelle. Mais des histoires au nom desquelles des millions de croyants, chrétiens, protestants, musulmans ou bouddhistes se sont entretués au cours des siècles dans le seul but de défendre leur histoire. Alors, je repose la question. Qu'est-ce qu'une histoire? C'est un fait divers. Daté du 14 juin 2011, dans un grand quotidien algérien. Une mère et sa fille disparaissent mystérieusement à Mechtal Ayadat. Dans ce petit village du Nord, c'est la perplexité qui règne. Cela fait maintenant un mois que Alia Ben Mahmoud, 34 ans, et sa fille Jeanne, 15 ans, ont disparu. Le 17 mai, 2001, au matin, un voisin les croise toutes les deux. Elles ne semblent pas inquiètes. C'est la dernière fois qu'on les voit. Le 23 mai,
Une commerçante passe chez elle pour livrer des courses et ne trouve personne. Elle s'inquiète et alerte l'antenne de police locale qui vient perquisitionner. Elle ne trouve aucune trace de violence, aucune marque d'effraction. Les deux femmes ont disparu. De la nourriture reste dans le frigo. Et plus étonnant encore, la voiture d'Alia Ben Mahmoud est toujours là. Tout à fait fonctionnelle. Une battue a été effectuée. Sans succès. Bonsoir. Il y a quelqu'un ? Bonsoir. Bonsoir, madame. Oh. C'est absolument incroyable de trouver ça en plein désert, comme ça. Oh, pardon. Excusez-moi, je suis complètement perdu. J'ai laissé ma voiture là-devant, je roule depuis des heures. Vous voulez une chambre ? J'ai pris des pistes invraisemblables. Il y a les panneaux dans le mauvais sens. Parfois, il n'y en a pas du tout. Je veux bien une chambre, s'il vous plaît. Oui. Jeanne, c'est mal indiqué. Oh, c'est très mal indiqué. Je me suis retrouvé derrière la palmeraie. Non, merci. Je préfère rester debout. Après des heures de voiture, ça... Mais on est où ici exactement ? Mejtalayadat. Mejtalayadat ? Ah oui, non, c'est pas du tout... Oui. Vous avez soif ? Non, merci. Je m'abreuve de la contemplation de ces livres. Quelle surprise, cette bibliothèque ! Et ça, c'est un véritable trésor, ça. Monte Cristo. Le comte de Monte Cristo. Attendre. Espérer. Et c'est une édition... Originale. Merci. Mais prenez. Oh, Swift. Magnifique. Rabelais. Oh, et Madame de Lafayette, elle est là. Et ça, mais qu'est-ce que... Oh, excusez-moi, je fais très attention, je vous le promets. Oh, pardonnez-moi, c'est la première fois que j'en tiens un dans mes mains. Mais c'est un incunable, ça. Oui. Oh, c'est exactement ce qu'on appelle un incunable. Un ouvrage imprimé dans le premier siècle qui suit l'invention de l'imprimerie. Oui, et ben vous savez, bien sûr, suis-je bête. Mais d'où ça vous vient, ce trésor ? Un héritage. Un héritage ? Un héritage de famille, oui, bien sûr. Vous avez des origines françaises ? Qui n'en a pas. Des origines françaises ? Oui, bien sûr. Votre père ? Ma mère. Votre mère ? Merci. Mais buvez, vous, buvez, il fait un peu chaud. Votre mère, d'accord. Et c'était sa bibliothèque ? Non, celle de ma grand-mère. Ah, sa mère, elle, donc ? De mon père, algérien. C'est votre grand-mère ? Algérienne, qui vous a légué cette magnifique bibliothèque. Et la maison. Et la maison aussi. Donc, dans cette famille, tout se transmet par les femmes. En quelque sorte. Et votre mari, il n'est pas là ? Non, mon mari n'est plus là. Ah, pardon, je ne voulais pas... Mais il n'est plus là, quoi ? Il est mort ? Non. Il est rentré en France. Il a divorcé, ça fait 6 ans. Et en Algérie, quand un homme divorce, la femme n'a droit à rien. Alors Jeanne et moi, nous sommes venus vivre ici, à Mejtalayadat. C'est le seul bien qui nous reste. Mais c'est pas facile. Excusez-moi, je vous écoute, mais... Je n'ai rien mangé depuis ce matin et... On va vous préparer. Mais non, ne vous dérangez pas, je vais me débrouiller tout seul. Je peux prendre les 2 petites tomates qui sont là ? Oui. Peut-être 3, elles sont vraiment très petites. Rassurez-vous, la cuisine, ça me connaît. C'est bien un oignon, ça. Je plaisante. Donc vous disiez que c'est pas facile. Non, c'est pas facile ici quand on est une femme seule. C'est pas facile en Algérie d'ailleurs quand on est une femme. Vous avez entendu parler du code de la famille ?
C'est Bouteflika ? Oui. Toute sa vie, la femme algérienne doit référer à l'autorité de son père, de son frère, de son mari, de son cousin, d'un homme. La femme est considérée comme une mineure toute sa vie. Vous savez, en France, jusque dans les années 60, une femme n'avait pas le droit d'avoir un chéquier. Dans les années 60, en 2001 en Algérie, on en est encore au même point. Leurrer de respects apparents dans une servitude réelle. Traités en mineurs pour nos biens, punis en majeurs pour nos fautes. Beaumarchais. Ça, c'est un féministe. Il écrit ça en 1778. Et trois siècles plus tard, ici, c'est toujours valable. C'est intolérable. Mais pourquoi vous ne rentrez pas en France ? On ne veut pas rentrer en France. On ne veut pas partir. Partir, c'est abandonner. Partir, c'est renoncer. Excusez-moi. Je vous en prie. Vous me faites parler. Et vous, alors ? Moi ? Tout le monde a une histoire. Vous, vous avez une histoire. Vous venez de me la raconter. Votre fille, sûrement, a une histoire. Moi, je porte une histoire. J'ai un jour croisé la route d'une histoire tellement incroyable, tellement extraordinaire, qu'elle a changé ma vie. Qu'elle est devenue ma vie. Racontez-nous. Non, c'est trop long. Ah, mais je vous préviens, on est très mauvais public. C'est pour ça qu'on aime les livres. On les ouvre, on les ferme. Si votre histoire nous ennuie, on vous le dira. Bon, très bien. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui est seul dans sa voiture et qui est complètement perdu. Ah non, ça c'est vous tout à l'heure sur la route. Non, cette histoire commence en France, un jour de mars 1988. En pleine forêt des Ardennes, à la nuit tombante, il pleut depuis des heures. Et cet homme, seul, dans cette voiture, cet homme est complètement perdu. Il ne sait pas où il est. Il ne sait plus très bien qui il est. Il sait juste une chose. Il cherche son chemin. Putain de merde! Putain de merde! Ici, là. Je cherche Lanchon, le village de Lanchon. Vous cherchez le château? Quel château? Le château perdu? Non, je cherche Lanchon, le village de Lanchon. Ah, d'accord. Alors, vous allez aller tout droit. Au carrefour, vous tournez à droite. Vous faites 3 km et vous arrivez à Nozonville. Au village, sur la place du village, il y a un café. Vous rentrez dans le café, vous demandez au patron, il vous indiquera. Non, je cherche Lanchon. Putain. On va bientôt fermer. T'es perdu? Tu cherches le château. Quel château? Bah t'as pas lu le routard. Mais un château perdu au milieu de la forêt habité par une princesse. C'est une légende. Mais cherche Lanchon, le village de Lanchon. Bah un petit café d'abord. Ok, un café. T'as pas du coin? Région parisienne. Vous connaissez Lanchon ou pas? Bah évidemment qu'on connaît Lanchon. On est de Nozonville. Bon, je t'explique. Tu sors du café. Tu vas à gauche, tu prends la première à droite. Tu sors de Nozonville. Là, tu fais première à gauche, première à droite. Tu vas arriver à un carrefour avec une vieille grange qui a cramé. Tu verras sur la droite. T'as une départementale qui va à Charleville. Ah, toi, tu prends pas ça. Non, toi, tu vas à gauche. Tu vas tout droit sur environ 2 km. Trois bornes à tout passer. Tu vas voir une forêt avec des grands chênes. Ah, oh, tu peux pas la rater. Hein. Tu traverses. Oh, et ben d'ailleurs, dis donc si t'as le temps, ben tu regarderas sur ta droite, t'as des champignons, mais alors gros comme ça, des cèpes. J'en ai ramené, tu te rappelles, Josie, les cèpes? Oh, elle nous a fait une omelette, succulente.
Bon, tu traverses, et tu vas arriver sur un pont qui passe au-dessus. Ben écoute-moi, c'est là que tout le monde se gourre. Tu vas arriver à une fourche super merdeuse avec quatre routes. À toi surtout, tu prends celle du milieu. Hein. Et puis tu vas mollo, question vitesse. Parce qu'au kilomètre 3, t'as une chicane vicieuse. Il y a 6 mois, il y a le fils de Jeannot qui s'est foutu en l'air. Sale fils à Eric. Qu'est-ce que tu dis? Sale fils à Eric. Il y a 6 mois sur la chicane, mais non. Ah, je t'ai dit que c'est le fils à Eric. Mais non, il y a 6 mois, Eric, il était... Oh, excusez-moi, vous avez le téléphone ou pas? Ouais, c'est juste là. C'est la pièce. Oui, allô? Allô, c'est lui, c'est moi. Bon, t'es où? Je t'ai pas appelé parce que... Tu percutes que t'es pas allé je chercher sais, Justine. Je suis pas allé chercher Justine, c'est juste... Pour une fois que je te demande quelque chose, j'en ai même pas capable. Mais je suis bien... J'en ai marre. Arrête, c'est pas le moment. C'est pas le moment, là, Sylvie. Ça fait 6 ans que je te traîne comme un vieux poulet. Sylvie, tais-toi, bordel. Laisse-moi parler. Minable Tom. Ferme ta gueule, putain. Je veux plus t'écouter. Sylvie. Je veux plus t'écouter. Sylvie. Putain. Je sais rien, je suis dans un bled à Gouzainville. Nouzonville. Ouais, bref, Nouzonville. Je me suis paumé, je suis dans les Ardennes. T'es allé voir ton père? Mon père est mort. On m'a appelé ce matin, j'étais au boulot. Il a fait une crise cardiaque, il est mort. C'est pour ça que j'ai pas pu aller chercher Justine. Ça fait 2 heures que je tourne en rond dans la forêt, là. Il pleut, j'en peux plus. C'est lui? Allô? C'est lui? Ah ben c'est la pièce, hein. Si tu mets pas de pièce, ça coupe au bout d'une minute. Bon, pour l'instant, je t'explique. Monsieur Martin, vous êtes bien, monsieur Martin? Oui. Maître Favreau, c'est au téléphone pour... Excusez-moi, vous avez les clés ou pas? Oui, j'ai les clés, mais elles sont chez moi, j'habite juste en face, pour ça je vous ai vu par la fenêtre. Venez, on va pas rester sous cette pluie. Hein. Venez. Ma femme a dû nous préparer quelque chose, une petite boisson chaude. Vous êtes là, Joséphine. Vous êtes arrivée, enfin. Oh là là. Installez-vous. Mais aide-moi à se défaire. Je vais prendre votre... Ça va, merci. Qu'est-ce qui tombe? Vous êtes sûr? Merci Joséphine, ça ira. Un petit café? Je viens d'en prendre un. Merci Joséphine, ça ira. Bon, eh bien, toutes mes condoléances, monsieur Martin. Nous aimions beaucoup votre père. Vous avez un frère aîné, également un frère Henri. Henri, oui. Il vit aux États-Unis, je crois. Au Canada. Au Canada, c'est ça, oui, vous avez réussi à le joindre. Ouais. Tant mieux. J'ai bien connu votre père, vous voyez, nous étions voisins. C'est un homme charmant, un peu secret, mais on sentait un grand érudit, un grand lecteur. Il avait été journaliste, il me semble, par le passé, avant de venir s'établir ici. C'était vraiment, enfin, nous l'aimions beaucoup. Ah, beaucoup. Oui, je ne sais pas quelle relation vous aviez avec lui, mais je pense que vous le connaissiez mieux que moi. Est-ce que je peux avoir les clés de la maison? J'aimerais rentrer. Non, cela ne va pas être possible avant que vous procédiez à la reconnaissance du corps, à l'hôpital, à Bonny-sur-Meuse. Vous plaisantez? Enfin, c'est une plaisanterie. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est la procédure légale, et c'est à 20 km à peine, si, je vous emmène si vous voulez. À Bonny-sur-Meuse? Oui, vous avez déjà beaucoup roulé, oui. Oui, on ne peut pas investir à la maison d'un défunt tant que l'identification du corps n'a pas été prononcée par un membre de la famille.
Mademoiselle, vous pouvez rester. Il a l'air gentil. Il était très gentil. Tout le monde l'aimait, comme mon frère. C'est des gens qu'on aime. Des gens qui savent parler. Moi, je sais pas parler. Mais pourquoi il n'est pas là, votre frère? Henri? Il habite au Canada et il est prof d'histoire. Et vous? Je suis dans la restauration. Je suis pas comme eux. J'ai jamais été comme eux. Voilà, le tout c'est de trouver la bande, je ne connais pas ce trousseau. Non, c'est pas ça. Pas celle-ci. Heureusement qu'il ne pleut plus, hein. Écoutez, si c'est pas celle-ci, c'est que je me suis trompé de trousseau. Ah si, voilà. Voilà. Ah, vous connaissez la maison, parce que je ne connais pas cet endroit. Non, c'est la première fois que je viens. Mon père s'est installé ici il y a 10 ans. Attendez, je vais essayer de trouver. Ah si, voilà. Ah, on se demande pourquoi. Belle bibliothèque, hein. Je savais que votre père était un grand lecteur, mais je ne soupçonnais pas un tel trésor. Voilà un beau livre. Le Comte de Monte Cristo. Attendre et espérer. Vous ne l'avez pas lu? Non, je n'ai pas le temps de lire des livres. C'est une magnifique édition en plus. Originale et paraphée. Pour Adélaïde qui se reconnaîtra. Je vais continuer de vous appeler Monsieur le Premier Ministre, puisque c'est comme cela que je vous ai appelé pendant 2 ans, et que vous l'êtes. Prêtez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier Ministre, et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier Ministre. Excusez-moi, voilà. En ce qui concerne le testament de votre père, je ne peux vous en faire les bureaux tout de suite, car votre frère n'est pas là. Mais je peux vous en livrer une version officieuse, car votre père m'avait beaucoup parlé avant d'en établir la rédaction définitive. Ce ne sont pas que des bonnes nouvelles, je dois vous dire, il y a surtout des dettes. Non, non, pas des grosses dettes, des petites dettes, ici et là, surtout à des libraires. Très bien, on vendra la maison. Ah non, c'était impossible, votre père n'était pas propriétaire de la maison, il la louait. Alors on vendra les bouquins. Il y a également une autre volonté. Je ne peux pas vendre les livres. Si, si, les livres, j'en ferai ce que vous voudrez. Mais votre père a souvent exprimé le souhait à plusieurs reprises, le souhait très vite d'être inhumé ici même à Longchamp. Quoi? Votre père désirait être enterré à Longchamp. À Longchamp? Longchamp, oui. À Longchamp, ici? Il n'y a à ma connaissance qu'un seul Longchamp en France. Mais enfin, c'est n'importe quoi, le caveau familial dans le sud. Il y a un cimetière à Longchamp. Absolument, c'est un modeste cimetière, il est un peu à l'abandon, c'est un petit cimetière. Bien, bien. Qui s'en occupe? Ce serait Michel. Michel? J'ai un personnage, c'est le fossoyeur de la commune et il prend également soin des tombes abandonnées. Je vais lui dire de vous appeler. Allô? 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 C'est Michel! Michel Lebrun! Hein? Ben, c'est Michel, Michel! Ah, Michel, oui, Michel. Il y a un problème pour votre père, il y a un problème. Il est quelle heure, là? Le cimetière est plein, il est complet. Le cimetière est complet? Ben, c'est un petit cimetière, vous savez. 40 tombes à peine, et là, il n'y a plus de place. Oh, putain, mais je fais comment, moi? Je fais quoi? Écoutez, j'ai une solution. Retrouvez-moi au cimetière. Demain? Ah, non, 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 il pleut plus. C'est juste à côté de l'église. Oh, mais quelle heure, là? À tout de suite. Attendez, attendez. Michel? 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 Putain! Monsieur Martin? Monsieur Martin? Bonsoir! Michel Legoureux. Enchanté, on se tutoie, hein? Oh!
tu ressembles à ton père, toi? La lampe. Ah, excuse-moi. Tiens, viens, c'est par là. Bonsoir, Madame Bellechasse. Bonsoir, monsieur Lejean. Non, ça ne marche pas sur Madame Bellechasse. Mais t'as pas peur, au moins, faut pas avoir peur, hein. Cimetière, c'est comme chez moi, hein. Jusqu'au 19e siècle, les cimetières, c'était des lieux de vie. On y faisait sécher du linge, on y faisait pousser des fruits, on y dansait, on y forniquait même. Les prostituées amenaient leurs clients ici. Michel, C'est ton père qui m'a appris ça. À l'époque, les vivants étaient en harmonie avec les morts. Aujourd'hui, les morts, on les respecte trop, comme des pièces de musée. Michel... Tu sais ce qui m'a appris d'autre, ton père? Au milieu du 17e siècle, il y avait un gars qui s'appelait Jacques Duclos. C'était un bagnard condamné à perpète. En 1666, la ville de Toulouse, qui ne trouvait pas candidat pour devenir bourreau, a proposé à Jacques un marché. S'il acceptait de devenir le bourreau officiel de la ville, on annulerait sa peine. Et il a accepté. Et Jacques Duclos est devenu Jacques le Bourreau, dit Jacques le Bourreau. Et le Bourreau, c'est mon nom. Michel le Bourreau. Et Jacques, c'est mon ancêtre. Tout ça, c'est ton père qui l'a trouvé dans ses bouquins. Ah ouais? Ouais. Et Jacques a engendré une lignée de 15 bourreaux. 15 générations de le Bourreau. Du coup, toute ma famille s'est spécialisée dans les métiers de la mort. Les femmes étaient couseuses de linceul ou ensevelisseuses. Ben, tu sais, celles qui nettoyaient les cadavres. Les gars étaient menuisiers, porteurs à bras, croque-morts. Ouais, c'était des gens pauvres, mais qui travaillaient dur. Ah, tout ça, c'est ton père qui me l'a appris. Moi, avant, j'étais perdu dans un cimetière. Ton père, il m'a appris à accepter mon héritage, à en être fier. Mon père était fossoyeur, moi je suis fossoyeur, et j'en suis fier, mon pote. Et ce soir, je vais enfin pouvoir remercier ton père. Tiens, c'est celle-là. Elle a plus de 100 ans. C'est la plus vieille tombe de tout le village. C'était sa préférée. Antès. A-N-T-E-S. Oh ouais, c'est pas un nom du coin, hein. Ça fait 20 ans que je travaille ici. Jamais personne n'est venu la fleurir. Qui que soit monsieur Antès, ça fait belle lurette qu'il a plus de descendants. Alors, on soulève la pierre tombale, on sort le cercueil et on l'enterre à côté. Michel, on peut pas faire ça. Oh ouais, je les connais, les corps. Au bout de 100 ans, c'est plus que de la poussière et des os. Ah, il n'y a plus de place dans le cimetière de Lynchamp. Mais on va lui en faire de la place à ton père. Allez, viens, mon pote. J'ai des pelles dans l'armise. Putain! Comment ça? Ils ont déterré un cercueil en plein milieu de la nuit. Absolument. Ils sont allés chercher des pelles, ils ont déplacé la pierre tombale et ils se sont mis à pelleter. La terre était encore humide, ils avaient froid. Mais l'effort les a réchauffés. Et une heure plus tard, il touchait le cercueil. Un cercueil magnifique, en chêne massif, orné de poignées de bronze. C'est bizarre, ça. Un cercueil de riche dans une tombe de pauvre. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On le sort ou on le laisse? On le sort. En soulevant le cercueil, les deux hommes ont tout de suite constaté que celui-ci était anormalement lourd. À tel point que l'un des deux a lâché. Le cercueil est tombé brutalement et s'est fracassé sur le sol. Michel, il y a quoi là-dedans? C'est pas possible. Quoi? C'est pas possible. Quoi? Et le cercueil a révélé son contenu. Quoi? C'est rempli de livres. Des livres? Des livres? Quoi des livres? Pourquoi des livres? Comment des livres? C'est qui cette hôtesse? Celui qui est enterré là ou celui qui a mis les livres dedans? Je n'en sais rien. Comment ça, vous n'en savez rien? Je n'en sais rien. C'était des livres. La tombe était libre, on a enterré mon père. Mais les livres, ils ne les ont pas ouverts? Mettez-vous à ma place. Mon père venait de mourir, j'étais en plein divorce, j'étais en train de creuser une tombe au milieu de la nuit, en pleine forêt des Ardennes. Attendez. Je croyais que c'était pas votre histoire. Moi, je croyais que vous étiez le notaire.
Le notaire? Mais non! Comment? C'est vous, monsieur Martin? Ce type-là, c'est vous? Oui, oui, c'est moi. Oui, c'est bien moi. Mais j'étais un autre homme. J'étais perdu. J'étais tourmenté. Je savais pas qui j'étais. Mais oui, c'est bien moi. Mais là... Je suis fatigué. J'ai roulé toute la journée et je vais aller me coucher. Attendez! On veut savoir la suite. Pourquoi vous riez? Mais parce que c'est Dumas. C'est Dumas! Quel rapport avec Dumas? Tout à l'heure, vous étiez là à me dire, on est très mauvais public, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, vous êtes prête à me déchiqueter pour savoir la suite. Et ça, c'est la règle numéro 1 du feuilleton tel que l'a inventé Dumas. Le suspense de bas de page qui vous fait acheter le journal du lendemain pour avoir le chapitre suivant. Le comte de Monte Cristo, les trois mousquetaires, Bragelonne, 20 ans après. On s'en fout de Dumas, on veut savoir la suite. D'accord. Des livres? Pourquoi des livres? Comment des livres? C'est qui cette entesse? Celui qui a enterré là ou celui qui a mis les livres dedans? Moi, j'en sais rien. Mais les livres, tu veux pas les ouvrir? On s'en fout des livres. Je suis en plein divorce, mon père vient de mourir. Je suis en train de creuser une tombe en plein milieu de la nuit, dans la boue, à espérer que la pluie se remette pas à tomber. Mais les livres, ils ont peut-être plus de 100 ans. Je suis pas dans les mythes et les histoires, moi. J'en ai rien à foutre des livres. Moi, je me lève à 6h du matin pour aller couper de la viande. Et quand je rentre le soir, tout ce que je veux, c'est allumer la télé pour m'endormir devant. Parce que j'ai le dos cassé, tu comprends? Le dos cassé. Mais alors, on les jette? Après, ils sont à toi. Ah non, non, non. C'est tes livres, c'est ta tombe. C'est ton héritage. Ok. On les met dans le coffre de ma voiture, ça marche? Ça marche. Mais après, vous les avez lus, ces livres? Non. Non? Comment non? Je suis rentré dormir. Mais après? Après, j'ai enterré mon père, j'ai fait le ménage. Mais le soir venu? Ah, mais d'abord, le soir n'est pas venu. Parce que quand je suis arrivé chez mon père, c'était presque le matin. J'ai dormi 3 heures, puis il a fallu appeler les pompes funèbres, organiser l'enterrement. Et qui allait venir? Ma mère, morte? Ma femme? Mon frère? Votre frère? C'est compliqué. Et donc, vous êtes rentré sur Paris? Non, je ne suis jamais retourné à Paris. Pourquoi? Je ne suis jamais arrivé à Paris. La nuit tombait, il pleuvait toujours. J'étais fatigué, au bord de l'épuisement. Je me suis arrêté dans une station-service, je me suis commandé un café, puis je suis retourné à ma voiture. La voiture était pleine de livres. On n'avait pas pu tous les mettre dans le coffre, il y en avait sur le siège passager. J'ai pris un livre, machinalement. Je l'ai ouvert au milieu. Ce n'était pas un livre. C'était un carnet, manuscrit. Et là, je suis rentré dans l'histoire. Enfin, nous touchons au but. La mort d'Abbès et Karim ne sera pas vaine. Devant moi se trouve la fontaine. Elle rayonne de simplicité. La fontaine est magnifique. La pierre est sculptée. Des ornements simples et purs. Elle est surmontée d'une forme oblongue et en liseré, je peux distinguer l'arbre calice. Nous avons longuement contemplé la fontaine. Puis, un homme sans âge, à la haute stature, nous a fait signe d'entrer dans sa maison. Il semblait nous connaître, il semblait nous attendre. Le trésor des Saxes de Bourville est ici. Après un voyage de 10 ans, après une quête qui m'a mené aux confins de ce monde nouveau, je touche au but. Nous touchons au but. Les Français sont loin derrière. Les Prussiens ne savent même pas que nous sommes en Alger. Nous sommes les premiers à atteindre la fontaine de Sidi Zouaoui. Sidi Zouaoui? Vous connaissez? Sidi Zouaoui en Algérie? Vous connaissez? C'est un village, il y a un lac, quelques maisons. C'est loin d'ici? Non, enfin 50 kilomètres. 50 kilomètres. Je peux y être en une heure? Pas plus. Comment je fais pour y aller? Vous remontez la route d'Aïn Tagrout, vous passez par Benina, après c'est de la piste. Mais attendez. Et je suis en jeep? J'y vais. Attendez. Quoi?
Je viens avec vous. Mais votre fille? Jeanne. Je viens aussi. Parfait. Nous serons de retour dans 3 heures. Jeanne, monte à l'arrière, monte dans le coffre. Et après? Après? Mais après, j'étais harponné. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce carnet? J'ai regardé la date, 1832. 1832. 1832? 1832. Ah, c'est le début de l'invasion française en Algérie. J'ai ouvert les autres livres. C'étaient tous des carnets, avec la même écriture, celle d'une femme. Une vie entière racontée dans des carnets. Comment s'appelait-elle? J'ai regardé les dates à chaque début de carnet. J'ai trouvé le premier, le 17 mai 1822. 17 mai 1822. On est le 17 mai. C'était il y a 150 ans? Non, plus? 179 ans. Oh, 179 ans, c'était encore en Algérie? Attendez, le panneau là, je tourne à gauche? Non, tout droit. Ah, d'accord. Qu'est-ce que je disais? Le premier carnet. Ah oui, le premier carnet, oui. Je l'ai pris avec moi, puis je suis retourné à la station-service. Je me suis commandé à manger, je me suis installé, et là, j'ai ouvert le premier carnet. "17 mai 1822. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme qui m'a donné envie d'écrire. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Après tout, cela semble évident. C'est ici que tout commence. C'est aujourd'hui, dans cette diligence. Le temps est médiocre. Il pleut à grosses larmes. Les routes sont boueuses. L'intérieur est humide. Mais mon cœur, enivré de tant de sensations nouvelles, fait des bonds majestueux et fait résonner ma poitrine si fort que je l'entends. Villers-Cotterêts! Villers-Cotterêts! Nous sommes deux dans la diligence qui m'emmène vers le commencement de tout. Vous allez trouver cavalier ce moyen d'entamer la conversation, mais je ne peux m'empêcher de remarquer que vous voyagez seul. Vous êtes fin observateur. Pardonnez-moi, c'est que je suis tellement heureux de voyager en compagnie d'une jeune femme que ma bouche parle avant même que ma tête ne lui en ait donné la permission. Parlez. J'aime entendre. Il y a beaucoup de gens dont la facilité de parler ne provient que de l'impuissance de se taire. C'est joli. Mais ce n'est pas de vous. Non. Savinien Cyrano de Bergerac. Parfaitement. Et je rajouterai que ce n'est pas de lui non plus, car Sénèque disait déjà, celui qui ne sait pas se taire, il ne sait pas non plus parler. Et La Fontaine de conclure, il est bon de parler et meilleur de se taire. Et si tous font tant l'éloge du silence, pourquoi est-il si bon de parler? C'est un vaste sujet, monsieur, sur lequel j'ai, si vous le permettez, une théorie que j'ai eu loisir de développer. Rien ne me ferait plus plaisir que de l'écouter. Ma théorie est simple. La vie est un récit. Poursuivez. La vie est un récit. Et chaque vie, chaque récit sont eux-mêmes composés de plusieurs récits, d'une infinité, d'une multitude de récits. Tout est fiction. Tout? Tout. Et en ce monde, celui qui détient l'information, celui qui détient les clés du récit, celui qui sait mieux que les autres raconter une histoire, devient le maître. Peu importe les titres de noblesse et les privilèges, l'homme qui raconte bien peut lever des armées et embraser des nations. Embraser des nations. Un jour viendra, vous verrez, où l'information sera totale et immédiate.
un jour viendra où l'homme sera noyé sous un flot incessant de récits et d'informations, car il sera relié à tous les êtres humains de la Terre. La presse remplira bientôt cet office. Et qui contrôlera la presse contrôlera le monde. Pensez donc, s'il existait quelqu'un capable de raconter des histoires si extraordinaires qu'un chapitre seulement paraîtrait chaque jour, et que ce chapitre serait si passionnant que l'on devrait acheter le journal du lendemain pour connaître la suite. Et l'on serait alors lié aux nouvelles que colporterait ce journal. Et alors on pourrait faire croire n'importe quelle ineptie aux hommes. Et les hommes iraient jusqu'à prendre les armes et à s'entretuer. Car lorsqu'ils veulent être libres, ils n'ont pas d'autre façon de faire entendre leur voix que de tuer et de mourir. Vous voilà bien sombre. C'est que je porte des siècles de douleur, et c'est un lourd fardeau. Mais vous, qui êtes-vous? Quel âge avez-vous? Vous montez à Paris pour la première fois? Beaucoup de questions d'un seul coup. Eh bien, je suis... mais fort peu de choses, à vrai dire. Fils d'un général d'armée à la brillante carrière militaire, je ne suis qu'un petit saute-ruisseau. J'ai 20 ans et je monte à Paris pour y être clerc de notaire, et pourquoi pas écrire moi-même un vaudeville ou deux. L'ambition ne vous dévore pas? En faut-il un homme pour être heureux? Mais vous devez bien nourrir en vous au moins une passion dévastatrice. Peut-être. J'aime, mais vous allez penser que je vous dis cela pour vous plaire, j'aime raconter des histoires. C'est drôle. Effectivement. Je suis moi-même un piètre aventurier, mais j'aimerais faire voyager des centaines, des milliers de gens, en les emmenant avec moi à travers une immense épopée littéraire. Vous aimez le théâtre? Par la lecture, oui. Shakespeare, Marivaux, Goldoni. J'en ai usé des volumes entiers. Il ne me manque plus que d'en avoir vu. Vous verrez. À Paris, vous serez nourri. Dites-moi, votre père. Oui. Vous dites qu'il a servi dans les armes. S'il s'est illustré, ça devait être pendant la Révolution, bien sûr. Mon père était un grand républicain. Bien sûr. Vos yeux partent à nouveau dans le vague. Que veulent-ils dire? Jeune homme, nous ne nous connaissons pas. Et je peux vous affirmer sans rire ni trembler que passé cette nuit, nous ne nous reverrons jamais. Je porte une histoire que je n'ai jamais partagée avec quiconque et qui me pèse comme un fardeau. Je vais vous la conter. Et après vous, elle n'ira plus nulle part. Mais vous devez me jurer sur ce que vous avez de plus cher au monde que jamais vous n'en écrirez une ligne, ni n'en parlerez à une autre âme humaine. Je serais un bien grand scélérat si je trahissais une parole donnée à une femme. Vous le jurez donc? Sur ma vie, sur ma mère, sur mes futurs enfants, je vous le jure. Mais parlez, quelle est donc cette histoire? C'est la mienne. Je suis née le 17 mai 1792. Le 25 avril avait eu lieu la première exécution à la guillotine. Et on murmure que son invention fut financée par les ennemis de ma famille. À ma naissance, on me fit évader. Je fus remise à une nourrice et un maître d'armes qui me portèrent à cheval jusqu'à un petit castillon caché dans les collines de la forêt ardennaise. En cas d'invasion, il était prévu de me faire passer au royaume de Prusse. Mais personne ne vint nous chercher. Je grandis dans ce château, élevé par la nature et par les livres. Quelle est donc votre famille? Une famille aussi noble qu'illustre. Un nom qui aujourd'hui ne résonne plus aux oreilles des gens que dans les légendes et les chansons. Je suis Adélaïde Edmonde de Saxe de Bourville,
dernière descendante vivante des Saxes de Bourville. Permettez-moi d'en douter. Mais doutez si vous voulez, doutez tout votre sou, mais gardez votre langue. C'est pour moi un tel soulagement que de pouvoir le dire enfin. La famille a vécu, la famille a existé. Mon père, ma mère, ma tante, mes cousins, ils ont tous été guillotinés et jetés dans une fosse commune, et toute trace d'eux a été effacée. Mais ils avaient vécu et préservé l'essentiel. Du moins, je l'espère. J'ai grandi dans ce château. J'ai lu les innombrables livres de ma famille. Et lorsque j'ai fini de lire ces livres, je les ai relus. Et relus. Et remus. Mon maître d'armes est mort le premier. Ma nourrice est morte il y a 3 jours. Je l'ai enterrée au bourg le plus proche. Et me voilà en route pour Paris. Adélaïde, Edmond, de Saxe de Bourville. Ne dites plus ce nom. Lorsque je poserai le pied hors de cette voiture, je serai devenu quelqu'un d'autre. Et il me faut un autre nom, monsieur le romancier. Le prénom, je le garde, c'était celui de ma mère et de la mère de ma mère. Mais le nom, je vous laisse l'inventer. Il vous faut un nom simple, un nom d'aventurière. Oui. Un nom anglais, peut-être? Non. L'Angleterre ne me tente pas et je n'ai pas l'air d'une anglaise. Espagnol, alors? Mieux. Ferrara, Montoya, Montes? Plus simple encore. Antes. Antes? Antes. A-N-T-E-S. On arrive à Paris! Adélaïde Antès. Vous devriez l'écrire, vous savez, cette histoire. Votre histoire. Mon passé ne m'appartient plus. Alors écrivez-la bien. Écrivez-moi. Je ne sais pas. Ne promettez rien. Je ne peux rien vous promettre. Ne promettez rien. Je travaille chez Maître Monceau, rue de Wagram, Paris. J'attendrai de vos nouvelles, Adélaïde Antès. Et votre nom, à vous? Alexandre. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. Tu vas bien? Bah putain, Martin, ça fait 10 ans, mais ça va. Allô? Allô? Papa est mort. Il a fait une crise cardiaque, il est mort. On m'a appelé, je suis allé reconnaître le corps. Je l'ai enterré. Pourquoi c'est toi qu'ils ont appelé? Je sais rien, c'est moi, c'est tout. Il est enterré à un champ. Il nous lègue des dettes. Ne vends pas les livres. D'accord. 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 Et la maison? On en reparlera. On en reparlera? On en reparlera. Comment tu vas, toi? On en reparlera. Bon, bah, je t'embrasse. Moi aussi. Au fait? Oui. Ah non, rien, c'est vraiment une connerie. Il avait quel âge, Alexandre Dumas, en 1822? Ah, tu me poses une colle, là. Oh, c'est parce que je lis un bouquin. Toi, tu lis un bouquin? Bon, laisse tomber. Attends. Dumas, en 1822, il a 20 ans. C'est l'année où il monte à Paris. Il vient d'où? Villers-Cotterêts, il me semble. Allô? Ouais, merci. Et juste un dernier truc. Ça te dit quelque chose, Saxe de Bourville? Où est-ce que t'as entendu ce nom? Bon, je sais rien, je l'ai entendu, c'est tout. T'as fouillé dans les papiers de papa? Ah mais non, je l'ai entendu... dans une émission à la radio. Je me suis dit que tu saurais, c'est tout. Saxe de Bourville. Saxe de Bourville. Oh, une grande famille, très très vieille noblesse française qui aurait possédé un trésor à la Monte Cristo, tiens. Un trésor?
C'est une légende, ils auraient supposément tous été guillotinés sous la terreur, mais on n'a aucune trace écrite de leur existence. C'est une histoire. C'est juste une histoire. Vous vous appelez Martin Martin ? Eh oui, et mon frère s'appelle Henri. Henri Martin, comme au Monopoly. Oh, mes parents avaient beaucoup d'humour. Et après ? Après, j'étais bouleversé, conquis, transformé. Je suis redescendu chercher ma voiture, chercher le carnet suivant. Et ? Putain de merde ! Quoi, putain de merde ? La voiture avait... Attendez, le panneau là, qu'est-ce que ça dit ? Si dis-toi oui, on est arrivé. Mais la voiture, quoi la voiture ? Et je me gare. Et Dumas, elle a vraiment rencontré Dumas ? Je me gare. Tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, vous avez parlé de Dumas. Vous aviez déjà l'intention de me raconter cette histoire ? Regardez. Regardez. La fontaine. La pierre est sculptée. Des ornements simples et purs. Elle est surmontée d'une forme oblongue et en liseré entourant le rebord, je peux distinguer l'arbre calice. Nous avons longuement contemplé la fontaine, puis un homme sans âge à la haute stature nous a fait signe d'entrer dans sa maison. Attendez, c'est ma voiture. Vous êtes propriétaire du véhicule, monsieur ? Oui, pardon, je m'étais mal garé, je vais la déplacer. C'est une voiture volée. Pardon ? Il y a une plainte déposée. La voiture est enregistrée au registre des voitures volées. Il doit y avoir une erreur, je dois acheter un ami. Quel est le nom de votre ami, s'il vous plaît ? Bon, écoutez, je n'ai pas le temps pour ça, là. Je prends juste mes affaires, ça marche ? C'est une voiture volée. Vous allez passer la nuit en garde à vue. Ok. Garde à vue. Je peux prendre mes affaires ? Vos affaires resteront consignées au dépôt avec la voiture. Puis-je avoir les papiers du véhicule et votre carte d'identité, s'il vous plaît ? Je suis parti précipitamment de chez moi. Les papiers du véhicule sont à Paris. Carte d'identité, s'il vous plaît. Elle est dans la voiture. Je me suis penché dans la voiture pour trouver ma carte d'identité, et juste avant que le policier ne me saisisse le bras pour m'emmener au poste, j'ai eu le temps de glisser un des carnets sous mon manteau, sans savoir duquel il s'agissait. Et vous êtes allé en garde à vue ? Eh oui, à Rethel, un charmant petit poste de police. Mais cette voiture, vous l'avez volée ? Merci. Oh, putain, c'est chaud. Soukran. C'est ça ? En berbère, on dit Safa. Safa beaucoup. Il dit que vous êtes le premier étranger à venir contempler cette fontaine depuis 6 générations. Est-ce qu'il sait de quand date cette fontaine ? Wartechtin binet Larsa ? Zahaman. Du Moyen-Âge. Du Moyen-Âge ? Isali bihin banucha. Elle a été construite par les croisés. Les croisés sont venus jusqu'ici ? Akelwache Jamra. Il dit que le dernier étranger qui est venu ici était une femme. Jida Iskalbacha. Son ancêtre l'a accueillie. Kanatouhid al-Arabia. Elle parlait arabe comme une arabe. Hatatou Flous. Flous ? Elle a donné de l'argent à son ancêtre. Pourquoi ? Warlesh. Le Tefer. Awalalecha. Pour creuser autour de la fontaine. Ils ont trouvé quelque chose ? La Rana Achia. Manaref. Je ne sais pas. El Ratemra, Shnidahad. Quelques années plus tard, la femme est revenue. Mumkin Mishi, Emsabet, Ishbet Acha. Ishbet Acha ? Elle a ramené un objet. Quel objet ? Warshnu. Laoucha. Un tableau. Un tableau ? Il a toujours ce tableau ? Nejmen Houcha. Il y a la date 1832. On reconnaît bien la fontaine. C'est un très beau tableau. L'homme au turban, au fond, c'est son ancêtre ? Et cette femme, alors ? Adélaïde. Comme elle est pâle. C'est un très beau tableau. Et c'est signé ? Eudela ? Eudelac. Portons-le au soleil.
Jeanne, s'il vous plaît. Y en a-t-il encore pour longtemps? Un instant, ma chère. Rome s'est pas faite en un jour. Elle est détruite. Que dites-vous? Vous êtes sûre de ne pas avoir été suivie? Ils doivent encore me croire dans un de ces bordels d'Alger. Au fait, je ne vous ai pas encore remercié. Si vous n'étiez pas intervenu dans le différend qui m'opposait au frère de la jeune fille... N'en parlons plus. Vous maîtrisez la langue arabe avec une aisance qui m'a confondue. Les livres et les salons n'apprennent pas tout. C'est quand même un hasard extraordinaire que vous me trouviez alors que je vous cherchais. Le hasard n'existe pas. Ici, on dit Mektoub, le destin. Qu'avez-vous trouvé au pied de cette fontaine? Rien, quelques mots gravés dans la pierre. Lesquels? Ils ne vous diront rien, c'est du grec. Gnosis esti pegetes zoes. Le savoir est la source de la vie. Vous savez le grec? Je l'ai appris dans les livres et les salons. Le savoir est la source de la vie. C'est joli. Et rien d'autre? Non. Pas de trésor caché? Non. Vous êtes souffrante? C'est le soleil. Vous avez fini? Bientôt. Et quoi d'autre? Ça y est! Quel paysage extraordinaire! Et ce silence! Le vide et ce silence font la beauté de ce pays. C'est à se demander ce que les Français sont venus piller ici. On ne peut pas voler le désert. Non. Voilà, j'ai fini mon croquis. Oh, montrez-moi. J'ai inscrit votre phrase. Le savoir est source de vie, ce sera le titre. Non, effacez-la, je vous prie. Ah, oh, c'est un bon titre. Effacez-la, et en échange, je vous donnerai un conseil. L'année dernière, vous aviez présenté un tableau au salon officiel. La liberté? Non, c'était un nom plus long que ça, je crois. La liberté guidant le peuple. Celui-là, oui. Reprenez-le et veillez sur lui avec l'attention d'un père pour son fils. Ce n'est pas mon préféré. Un jour, ce tableau, cette image, dépassera votre avis et sera le symbole d'une nation. Bien plus qu'une nation. D'un idéal. Un idéal? Il représente l'unique justification valable de la guerre. La conquête de la liberté. En connaissez-vous d'autres? Eugène, de tout temps la guerre n'a été déclarée que pour des raisons haineuses, avides ou absurdes. Cette guerre même au cœur de laquelle nous nous trouvons, cette conquête meurtrière, s'est décidée en une nuit dans un petit salon du Palais Royal, la nuit de la Saint-Sylvestre, 1830. Mais vous plaisantez, j'y étais moi, cette nuit-là, au Palais Royal. Et pourquoi croyez-vous qu'Alexandre vous ait envoyé à ma rencontre? Alexandre? Alexandre, Alexandre, Alexandre. Regarde, Chateaubriand, Stendhal, Lamartine, mon cher, si nous manœuvrons bien, c'est la gloire et la fortune qui nous attendent. La gloire et la fortune. Mais oui, parfaitement. Séduit la bonne protectrice, fait rire le bon baron. Et c'est une bourse ou un théâtre qui s'ouvre à toi. Nous sommes à la cour. Regarde, le jeune Victor Hugo. Hugo. Mais tu le vaux 100 fois. Non. Il y a dans ses écrits une intelligence que je n'ai pas. Il n'est qu'un penseur. Un écrivain. Un vrai. D'accord. Tu es un amuseur, un raconteur. Mais nous sommes des jouisseurs. Laisse-lui l'intelligence. On dit que le roi va peut-être passer. Je me fiche bien du roi.
Eugène. Oh, Alexandre, tu as encore reçu un de ces carnets? Une lettre cette fois. Alexandre, tu es amoureux d'une chimère? En plus, elle est vieille, elle a 40 ans. 38. Puis, tu ne l'as vue qu'une seule fois. Tu l'as même pas connue bibliquement. Je la connais mieux que ça. Je la connais intimement. Elle me raconte ses pensées, ses envies, ses doutes. Elle a tout fait, Eugène. Elle a traversé la Chine, les Indes, les Amériques. Elle a frôlé la mort 20 fois, et 20 fois j'ai tremblé pour elle. Ah, Alexandre Dumas tremble pour une invention. Mais qui te dit que ces lettres, elle ne les écrit pas de Bretagne, confortablement installée dans son fauteuil? Tiens, elle a croisé sur la route un certain Pierre Picot. Tu en as entendu parler? Pure fiction. Un roman extraordinaire. Un cordonnier envoyé en prison suite à la conspiration de ses prétendus amis. Il y reste 7 ans. 7 ans! Se lie d'amitié avec un prêtre italien, voisin de cellule, qui à sa mort lui lègue une fortune colossale. Extraordinaire, n'est-ce pas? Au fait, ton Adélaïde a-t-elle trouvé son trésor? Moins fort, Gêne. Elle est sur sa piste, elle s'y rend au moment où nous parlons. Oh, Alexandre! Oh, mais tu fais de la peine! Une fois pour toutes, le trésor des Saxes de Bourvil est un mythe! Les Saxes de Bourvil eux-mêmes sont amis! Ne prononce pas ce nom ici! Ah! Saxes de Bourvil! Saxes de Bourvil! Saxes de Bourvil! Mais Eugène. C'est la fête! C'est la fête! Tout le monde s'en fout comme d'une guigne! Eugène! Le champagne rend sourd! Bonne année! Bonne année tout le monde! Alexandre, 1830 sera une année de paix! Je te le dis! Une belle année de paix! Monsieur Dumas? Oui, c'est moi. Vous êtes prié de rejoindre le petit salon. C'est au fond du couloir à droite. On vous y attend. La gloire et la fortune, Alexandre! La gloire et la fortune! Entrez, monsieur Dumas. Ah, c'est bien, je vous en prie. Puis-je vous offrir un rafraîchissement? Merci, j'ai assez bu. Votre ami parle beaucoup et un peu fort. J'aime lui aussi, j'ai assez bu. Tant mieux. Ce soir, c'est réveillon. Et puis, nous sommes entre gens de bonne compagnie, n'est-ce pas? Comme votre ami Ferdinand Victor Eugène de la Croix, fils d'on ne sait trop qui. Même si certaines rumeurs parlent de Talleyrand. Et vous? Et moi? Alexandre Dumas, fils de... Fils de Thomas Alexandre David de la Pailleterie, général Dumas. Général Dumas? Ah oui, votre père était un nègre, il me semble. Mon père était un nègre. Mon grand-père était un mulâtre. Mon arrière-grand-père était un singe. Vous voyez, ma famille commence là où la vôtre finit. Eh bien, moi, je suis Jules Armand de Polignac, comte de Polignac et prince du Saint-Empire. Ce sont des gens comme votre père qui nous pourchassèrent et nous massacrèrent. Mais nous savions, voyez-vous, nous savions que la République n'était que passagère. Chaque peuple a besoin d'un roi pour le gouverner. Et chaque roi a besoin d'une éminence grise pour gouverner à sa place, tandis qu'il chasse et courtise les servantes. Je suis cette éminence. En ce jour de l'an 1830, je suis Premier ministre du Royaume de France, et vous, vous n'êtes rien. D'un claquement de doigts, je puis vous faire disparaître de la surface de ce monde, et personne ne s'en apercevra. Alors je vous en prie, asseyez-vous. Que savez-vous des Saxes de Bourvil? Ne perdez pas votre temps à nier. Tout ce qui se dit dans ce palais m'est immédiatement rapporté.
Je sais qu'il s'agit d'une légende. Laissez-moi vous raconter une histoire. Au cas où vous l'ignoreriez. Ma mère était Yolande de Polastron, duchesse de Polignac. Elle était également l'amie intime de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France. C'était un après-midi de mai 1778. Ma mère et la reine, alors de jeune fille, avaient coutume, pour leur bon plaisir, de parcourir, déguisés bien sûr et sans escorte, les bois et les campagnes. Rentrons, Majesté. La nuit va bientôt tomber. Connaissez bien le chemin du retour, Yolande ? Oui, je crois. Je n'en suis pas si sûre. Si, c'est par ici. Oh, Yolande. Oh, Majesté, que se passe-t-il ? Oh, je ne sais pas. Oh, oh Majesté, réveillez-vous ! Que se passe-t-il ? Oh là, quelqu'un ? Oh là, quelqu'un ? Y a-t-il quelqu'un ? Ma mère était terrifiée. Quelques instants plus tard, un homme apparut, seul. Quelqu'un ? Y a-t-il quelqu'un ? Que se passe-t-il ici ? Ah, oh, monsieur ! Oh, je vous en supplie, la reine est évanouie. Pourriez-vous la porter jusqu'au château ? La reine ? Oui, la reine ! Je vous en supplie, secourez-la. Inutile de la porter, elle respire. Comment sauriez-vous ce qui est bon ou pas ? Buvez, madame. Dame ! Monsieur ! Pour ce madame, un cachot pourrait vous attendre. Taisez-vous, je vous prie. Allez-vous mieux ? Merci, oui. Et enfin, par quel hasard mystérieux vous trouviez-vous dans ces bois, monsieur ? Du hasard, madame. Les terres sur lesquelles vous vous trouvez m'appartiennent, et je méditais au bord d'un cours d'eau lorsque j'ai entendu vos cris. Vous sentez-vous fatigué ces jours-ci ? Tous les jours, dans l'après-midi. Votre appétit ? Variable. Êtes-vous souvent en colère ? Plus que d'accoutumé. Avant que de repartir, défaites un peu votre corset. Il comprime votre poitrine et induit l'évanouissement. Seriez-vous donc médecin ? Et de quel mal souffre la reine ? Elle ne souffre de rien. Et en quelques mois, le royaume de France aura un héritier. Ou bien une héritière. Mesdames. Mesdames ! Encore ! Mais quelle impolitesse ! Est-il possible ? Madame, ne le croyez pas, cet homme affabule. Yolande, toutes les prédictions de cet homme s'est révélée exacte. Vous le connaissez donc ? On le dit médecin, thaumaturge, sorcier et immortel. Quel est son nom ? Il en possède plusieurs. Joseph Balsamo, chevalier de la Sainte-Croix, comte Pellegrini. Mais les espions de Louis le connaissent sous son nom véritable. Frédéric de Saxe de Bourville. Frédéric de Saxe de Bourville. Mais ce nom vous est pas inconnu apparemment. Je le croyais appartenir aux légendes de mon enfance. Mais rentrons, Majesté, la nuit va tomber. Contez-moi votre légende en desserrant le corset. Bien. Pardonnez-en les imperfections, je la tiens du père de mon père. Il y a de cela 7 siècles, l'Église mandait à travers toute l'Europe du soutien pour reconquérir la Terre Sainte. Ce fut alors qu'un roturier, nommé Guillaume, leva sur ses propres deniers une armée qui rejoignit Godefroy de Bouillon. Une armée de 4000 hommes. 4000 hommes ? Au cœur de cette armée avançait un chariot sur ses roues de métal, dont le poids était égal à 4 ou 5 de leurs catapultes. Que contenait-il ? Un trésor immense. De l'or, des diamants, des rubis, des perles. Des perles ? Mais d'où venait-il ce trésor ? Je ne sais pas, Majesté. Mais rentrons. Ils atteignirent Jérusalem et participèrent activement à la prise de la ville. Puis, la nuit qui suivit la victoire, le chariot, le trésor et les 4000 hommes disparurent, corps et biens, dans les terres almoravides. Yolande, attendez,
C'est ce trésor dont Louis me parle sans cesse, enfoui quelque part entre Gibraltar et Jérusalem. Un trésor que les rois de France ont cherché pendant 3 siècles. J'ignorais cela. Et ce Guillaume, ce roturier, lui et sa descendance sont restés invisibles pendant des générations. Et puis ? Puis ils réapparurent en 1348, aussi soudainement qu'ils avaient disparu. Ils avaient acquis un nom, des terres bénies et une double particule. Vous voulez dire que... Frédéric de Saxe de Bourville est le descendant de ce Guillaume qui perdit 4000 hommes à Jérusalem en l'espace d'une nuit. Et ce trésor, monsieur Dumas, ce trésor dort toujours sous la terre. Je n'y vois qu'une légende. Les Saxes de Bourville ont encouragé et fomenté tous ces mouvements de rébellion. Lorsque ma mère, exilée à Vienne, apprit que la reine avait été guillotinée, elle se laissa mourir de chagrin. Comprenez que je tiens cette famille pour responsable de la chute de la mienne. Donnez-moi cette lettre. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Donnez-moi cette lettre ou je viendrai la chercher moi-même sur votre petit cadavre républicain. Ceci est mon royaume, monsieur le fils de nègre. Et vous n'y êtes qu'une poussière sur mes bottes. En Algérie, le trésor des Saxes de Bourville est en Algérie. Louis, mon cher Louis, je vous présente Alexandre Dumas, votre ministre. Monsieur Dumas, voici Louis de Bourmont, ministre de la guerre. Vous ne profitez pas de la fête, Jules ? Mieux encore, j'en prépare une autre. Combien d'hommes avons-nous prêts à mobiliser ? Je dirais 30 000, 35 000 mobilisants. Et la flotte ? Environ 500 bâtiments. En combien de temps ? Un mois. Vous êtes en train de me dire ? 132 ans d'occupation, de bataille, de massacre, pour un trésor? Non. Pour une histoire? C'est un avion là-bas. Les croisades, la révolution et quoi après? Il y a un aéroport ici. C'est juste une petite piste, un avion de tourisme. Vous ne trouvez pas ça un peu gros? Ah, je ne vous demande pas d'y croire. Et le carnet, vous l'avez lu? C'est le propriétaire de l'avion là. Comment s'appelle-t-il? Mokhtar. Et la voiture, vous l'avez retrouvée? Non. Enfin, si, mais non. Enfin, c'est une longue histoire. Monsieur Mokhtar, bonjour, je m'appelle Martin Martin. Allô Sylvie, c'est moi. Non, attends, raccroche pas s'il te plaît, raccroche pas. Je pourrais pas te rappeler, j'ai droit qu'à un coup de fil. Je voulais te dire 3 choses. La première, c'est que j'ai enterré mon père. La deuxième, même si c'est dur à croire, c'est que je t'ai aimé. Et que j'ai tout fait pour être le père que Justine espérait. Mais je suis pas son père, je sais pas faire, j'y arrive pas. Et je sais que sans moi vous serez mieux. Écoute-moi, Sylvie, je vais essayer d'être le plus concis possible. Avant de te rencontrer, j'ai fait pas mal de conneries. Je buvais beaucoup, j'ai volé des voitures, j'ai fait un peu de prison, pas grand-chose, mais assez pour me retrouver tout seul. Et c'est là que t'es arrivé. Et honnêtement, sans toi, je sais pas où je serais aujourd'hui. Mais là, je suis au poste dans les Ardennes. Ils ont confisqué ma bagnole. Et comme tu sais, la bagnole, je l'avais achetée à Julien. Et Julien, il l'avait volée. Et ça, je le savais. Et ça s'appelle du recel, ça s'appelle une récidive. Et ça va me faire plonger pour un enfer. Et je ne veux pas, je ne peux pas aller en prison pour un an. Alors je pars. Je quitte le pays, je sais pas où et je sais pas si je vais rentrer, mais je pars. Demain, je passe la frontière. Voilà le flic qui commence à me faire signe. Alors je te demande pardon. Pardon d'avoir été ton boulet. Il a fallu que j'enterre mon père pour qu'on tremble. Mais là, il est temps que je me débrouille tout seul. Merci Sylvie. Tiens Justine que je l'aime. Je sais pas, inventer un truc. Oh, s'il te plaît,
lui dites pas que je vous ai quitté. Une dernière chose. Je t'ai piqué 5000 francs. L'avion est là-bas. Fermez la porte, s'il vous plaît. Je voudrais vérifier le moteur. 5000 francs. De 1988. Oh, ce n'est pas énorme. Voyons, en dinars, ça serait... Christine, ce n'était pas votre fille? Si je multiplie par 100... Non, c'était celle de Sylvie. Donc, le lendemain, comme je vous disais, j'ai quitté la France. Et qu'est-ce que vous faites? Ah oui, j'ai négocié de faire un petit tour du site. Je paye à l'atterrissage. Attendez, vous lui avez parlé 5 minutes et vous confiez son avion. Que voulez-vous? S'il y a une chose que je crois savoir faire, c'est raconter des histoires. Mais vous savez piloter? J'ai pris quelques cours par correspondance. Check, check. Maman, j'ai peur. Et puis, je lui ai laissé ma Jeep comme caution. Maman, laissez-nous descendre. Ah non, l'avion est en marche. Et les ceintures alors? Enfin donc, comme je vous disais, le lendemain, j'ai quitté la France. Concentrez-vous sur l'avion. Maman! Oh, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà fait ça plein de fois. Combien de fois? Au moins deux. Vous avez pensé à sortir le rétro? Le rétro? Attention, je mets les gaz. Mais quel rétro? Mais je plaisante! Vous avez vu? Les doigts dans le nez. Oh, Mokhtar n'a pas l'air content, il fait des grands signes. Ah, oui, je lui ai peut-être dit que nous allions vers le sud. Et pourquoi on va où, là? À Alger. À Alger? Bon, je dois juste y faire un saut, hein, je vous ramène après, promis. Mais la Jeep! Je l'avais louée. Profitez du voyage, il y en a pour 2-3 heures, pas plus. Enfin donc, comme je vous disais, le lendemain, j'ai quitté la France. Et vous êtes allé où? Sur les traces d'Adélaïde. Et le carnet, vous l'avez ouvert? Les Indes, la Chine, l'Afrique. Et puis? Et puis, 5 ans après, un jour de mars 1994, j'ai atterri au Canada. Lucie, tu vas ouvrir? Non, je peux pas. Je chatte. Tu quoi? Eh, chatte! C'est quoi ça? Je faisais avec du monde sur le computer. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment on peut parler à un ordinateur? Véronique, c'est trop bien pour toi, non? C'est peut-être Marie-France. Elle devait passer après le supermarché. C'est Marie-France? Voilà, donc Lucie hésite entre Danseuse d'étoiles, Star Hollywood ou Prof de philo. T'as on toujours pas d'accent? On est subtilement dans la troisième option. Pas d'accent toujours? Non, je sais mon bel français. T'as une étendue marquante. T'as rencontré une femme? Ah, d'une certaine manière, oui. Elle est morte. Enfin, elle était déjà morte quand je l'ai rencontrée. Bien. T'as été voir le père? Ouais, j'ai payé les dettes. J'ai pas trop de... T'inquiète pas, j'ai racheté la maison. Non. Je sais pas quoi faire de ces putains de livres, alors je les ai laissés là, comme ça, si t'as envie de retourner un jour. Bon, t'étais où pendant 6 ans, toi? Un peu partout. Je m'emplissais. Tu picolais? Mais non, je lisais, j'étudiais, et j'apprenais. J'enquête sur les familles qui ont vécu du Moyen-Âge à la Révolution. Je t'en ai déjà parlé. Les sacs, c'est de ton père. C'est une obsession. T'es bien fils de ton père, toi. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu crois qu'il enquêtait ton papa? Je sais pas, il enquêtait sur quoi? Sur des histoires, des mythes. Tu sais, ça remonte à loin. Raconte. C'était il y a 15 ans, plus même. Elle est morte quand déjà, maman? 75. C'est ça, c'était 3 ans plus tard, en 78. Aix alors? Aix, ouais. Toi, t'étais en pension, moi je venais d'avoir mon diplôme. Et papa venait d'un savoir sur retraite. Henri! Qu'est-ce qu'il y a? Viens t'asseoir un peu à côté de moi. Surveille les pattes là, papa. Les pattes, franchement, Henri, c'est ça ton excuse? Assieds-toi, je te dis. Ça va la vie en ce moment? Bon, qu'est-ce que tu vas m'annoncer? T'as rencontré une nouvelle copine? Mais non, et toi? Une nouvelle copine? Non, sinon je serais pas là de faire les pattes. Écoute-moi bien. Écoute cette histoire. Au temps ancien, je veux dire, il y a des dizaines de milliers d'années, lorsque l'homme était encore nomade, il célébrait la femme comme une déesse. Car elle était celle qui donnait la vie et il ne pouvait l'expliquer. C'était le culte de la fertilité, de la déesse mère ou grande déesse. Puis, petit à petit, les hommes se sont sédentarisés. Ils se sont regroupés dans les petits villages et y ont développé notamment l'agriculture. Papa, j'ai un diplôme d'histoire. Mais je sais, Henri, mais tu ne sais pas tout.
Avec la sédentarisation, l'homme s'est mis à cogiter. Il a fini par faire le lien entre l'accouplement et la naissance d'un enfant. Il a alors cessé de considérer la femme comme une divinité, puisque c'était lui et lui seul qui l'a fécondée. Il a pris peur, il a enfermé sa femme et s'est mis à célébrer le phallus plutôt que la déesse mère. Oui, je connais cette théorie. Bon, très bien. Nous sommes donc passés d'un système matriarcal à une société patriarcale. Mais une petite communauté a refusé cette transition. Les femmes continuaient d'être les patronnes de la maison et l'héritage se transmettait de femme en femme. Elles choisirent de placer avant tout le savoir et l'éducation. Puis, aidées par la science du calcul, elles devinrent de solides gestionnaires. Cette communauté, tu t'en doutes, n'était pas très bien vue du reste de la société. Non seulement leur richesse s'accroissait, mais la dominance féminine en était la raison principale. Ainsi, elles entrèrent dans la clandestinité. Et comment s'appelait-elle ? À ce stade, elles n'avaient pas encore de nom. Leur histoire se transmit d'abord oralement, puis dès l'invention de l'écriture sur tous les supports disponibles. C'était les hommes qui étaient en charge de cette mission d'information et de désinformation. Quant aux femmes, elles développèrent une philosophie rationnelle et athée. Mais, pour revenir à ta question, c'est dans la Grèce antique qu'on trouve pour la première fois un nom à cette communauté qui inspira un personnage, Aristophane. Il se nommait les Lysistrates. Au fil des temps, ils s'attribuèrent un emblème. L'emblème était un arbre représentant le savoir en forme de calice, symbole de la femme et donc par ricochet de la vie. Attends, tu les as trouvés où tes Lysistrates? Ils ne sont cités dans aucun livre d'histoire. Mais l'histoire évolue, Henri. Elle n'est pas gravée dans la pierre. Elle est mouvante. Nos souvenirs, notre mémoire s'estompe et s'embellit. Tu as des sources, papa? Oui, j'ai des sources. Je serais curieux de les connaître. Tu dois promettre de ne pas te manquer. Fais-moi rire. Les romans. Les romans? Les romans les plus anciens. Vois-tu, il est de mon avis que chaque fiction cache un fait réel. L'Iliade, l'Odyssée, l'Énéide, tous relatent des faits extraordinaires qui sont inspirés d'une réalité historique avérée. Eh bien, tous font mention des Lysistrates. De manière détournée, bien sûr. Mais c'est pour moi la preuve de leur existence. Papa! Artamène, le grand Cyrus, écrit au XVIIe siècle, le plus long roman connu à ce jour. Je connais Artamène, papa, il fait plus de 13 000 pages. Personne ne l'a lu. Je l'ai lu, moi. Et il y a fait 7 fois mention des Lysistrates. Et je te soutiens que leur histoire existe dans la littérature ancienne. Cachée. Codée, mais elle existe. Mais pas de voix trop cuite. Viens avec moi, Henri. Je pars à l'aventure, à la recherche des Lysistrates. On vient de me proposer un poste, papa. J'ai trouvé une petite maison, isolée, dans le nord de la France. Au Canada. Un village paisible, au cœur des Ardennes. Lynchamp. Lynchamp. Quoi, Lynchamp? Lynchamp, Lynchamp. Oui, Lynchamp. Je dois retourner à Lynchamp. Les carnets sont à Lynchamp. Ils sont dans la voiture. Je dois les retrouver. La clé est à Lynchamp. La clé de quoi? Oh, Adélaïde était à Lynchamp. Papa cherchait Adélaïde. C'est qui Adélaïde? Oh, papa savait tout. C'est qui Adélaïde? Oh, je dois retourner en France. On s'est endormi? Quelle heure est-il? C'est le matin, mesdemoiselles. Jeanne. Oui, je suis là. Il est quelle heure? On est à Alger? Pas tout à fait. Il y a eu des perturbations climatiques. J'ai dû voler au-dessus de la mer pendant un temps et puis ça ne s'arrangeait pas. Alors j'ai mis le cap au nord et... Bonsoir, messieurs, dames. Police des frontières. Venez descendre de l'appareil, s'il vous plaît. On est à Marseille. Bon. Alors, je récapitule depuis le début parce que là, vous m'emboucanez. Donc... Vous êtes parti ce matin d'un petit aérodrome algérien près de... Mejtalayadat. Et là, ça se complique légèrement. Arrêtez-moi si je me trompe. Vous atterrissez à Marseille sans autorisation. Oui. À bord d'un avion qui vous a été prêté, dont vous n'avez pas les papiers.
Effectivement. Puisque c'est un certain Mokhtar qui vous l'a prêté. Voilà. Et vous ne connaissez pas son nom. C'est ça. Il est gentil, Mokhtar. Mesdemoiselles, je peux vous demander vos papiers. Je vais dire que... Pardon, je me permets. Excusez-moi, puis-je m'entretenir avec vous, seul à seul, 5 minutes. 2 minutes, pas plus. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Quoi donc? Nous n'avons pas de papier, vous avez volé un avion. Emprunté. Vous parlez 2 minutes au douanier, il nous laisse repartir. Je vous l'ai dit, je ne sais faire qu'une chose. Raconter des histoires, oui, j'ai compris. Mais je n'y suis pour rien. Les choses finissent toujours par s'arranger. Heureusement que vous connaissiez quelqu'un à Marseille qui puisse nous héberger. Comment saviez-vous? De quoi? Qu'il habitait Marseille. C'est vous qui me l'avez dit. Moi, je n'ai jamais dit ça. N'est pas lui là-bas? C'est lui. Jeanne. Jeanne? Papa? Bonjour, vous êtes bien chez Henri, Véronique et Lucie. Nous ne sommes pas là, mais c'est un message après le bip. Allô Henri, c'est moi. Je pensais pas tomber sur ton répondeur. Je savais même pas que t'avais un répondeur d'ailleurs. Bon, c'est con, j'ai droit qu'à un coup de fil. Alors je voulais te dire que tout va bien. Je suis bien arrivé, je suis en France, on s'occupe de moi. Ah, et puis je sais. J'ai dit que je donnerai des nouvelles, mais je pense que pendant quelques mois, je vais un peu faire le mort. Mais tout va bien, tout va bien. Et puis? Je pense que Jeanne va vouloir rester à Marseille avec son père. Non, vous. Moi? Ah, on me fait signe de raccrocher. Alors embrasse tout le monde. Et dis à Lucie que moi je préfère danseuse étoile. Je suis rentré en France, j'ai été arrêté à la frontière et j'ai pris 6 mois ferme. Vous avez fait 6 mois de prison? 3, on m'a relâché, je m'entendais bien avec le personnel. Avec les détenus aussi d'ailleurs. Et puis? Et puis, je suis retourné à Lynchamp. Nous étions en janvier 1995. Mais d'abord, je suis allé voir la police. Et j'ai réussi à les persuader de me donner l'adresse de la casse où la voiture avait été stockée. Et ils vous ont donné l'adresse? Attendez, ça me dit quelque chose. 504 grise, c'est ça? Modèle 78. Ouais. Bon, elle est là? Hein? De toute façon, ici, il y a 2 options. Soit elle est là, soit elle a déjà été compressée. Attendez, je regarde. Ah ben voilà! 504 grises, volées, immatriculées, CL253 et L78. Elle est encore là? Ah ben oui, là, elle est là, enfin elle est là. Oui, elle est dans les fichiers, là. Non, elle a été compressée. Pardon? C'est écrit! C'est écrit! Juin 1991, CPS, c'est la compression de compressé. Mais qu'est-ce qu'il en reste? Ah bah rien! Rien? Rien? Rien. Un cube de métal. Les livres, les carnets. Perdus à jamais. Personne n'avait ouvert le coffre. Personne. Attendez, c'est pas possible. Tout ça pour ça? Tout ça pour ça. Des centaines d'années d'histoire réduites à un cube de métal. Toute votre histoire s'arrête là. Eh oui. Enfin, presque. Je suis retourné chez mon père. J'ai fait un immense ménage. J'ai dépoussiéré les livres et je les ai lus. Puis, un jour, caché parmi les livres, j'ai trouvé un carnet. Ce n'était pas l'écriture d'Adélaïde, c'était celle de mon père, très brouillonne, presque illisible. Il avait noté une somme d'informations considérables, tirées de romans, de poèmes, de pièces de théâtre. Maman, je reste ici. Qu'est-ce que tu dis? Je reste ici avec papa à Marseille. Je vais aller au lycée ici. Et moi, je retourne au Canada. Je dois retrouver mon frère. Je dois lui raconter, lui expliquer. Voulez-vous venir avec moi, Lia? Pardon? Au Canada. Vous voulez m'accompagner?
Je n'ai pas mes papiers. Ce n'est que ça. Nous sommes dans un port. Tenez, ce grand voilier, amarré. Je suis sûr que je peux les persuader de nous prendre avec eux. Vous ne savez même pas où ils vont. Je vais leur demander. Maman, on ne sait rien de cet homme. Toute son histoire, ce n'est qu'une histoire. Ce sont des mots, de l'air en vibration. Et si je veux y croire, moi, si je choisis d'y croire? Monsieur Martin, si vous parvenez à convaincre l'équipage de ce voilier de nous prendre, je vous suis. Tenez, jeune, j'ai quelque chose pour vous. Depuis 13 ans, je le garde sur moi par tous les temps. C'est le carnet que j'ai pris dans ma voiture avant de me retrouver au poste. C'est le dernier carnet d'Adélaïde. Faites-en ce que vous voulez. Il est à vous. Paris, 17 septembre 1870. Je reviens à Paris pour la première fois depuis près de 50 ans. Paris, aujourd'hui, est encore plus beau que d'habitude, car Paris est libre. Il y a 10 jours, l'Empire a été renversé. C'est un vieil ami que je viens retrouver. C'est son fils qui, doucement, m'amène à lui. Alexandre, terrassé par une attaque, est à moitié paralysé. Il y a eu un accident. Il s'est effondré. Les médecins ne sont pas très optimistes. Nous partons pour Dieppe demain, j'ai une villa dans les environs. L'air marin lui fera peut-être du bien. Vous croyez que je peux lui parler? Je crois que si vous ne lui parlez pas, il me déshéritera. Père, vous avez une visite! Cher ami, madame, je vous ai tant attendu. Si ce n'était cette vilaine attaque qui me paralyse, je vous prendrais dans les bras et je vous embrasserais comme un jeune homme. Je vous ai lu, vous savez. Vous m'avez transporté. Et moi? Vous m'avez fait rêver. J'ai lu chacun de vos carnets. Je puis vous assurer que personne, hormis moi-même, n'en a jamais lu une seule ligne. Je le sais. Venez les reprendre. Je dois les détruire. Non, vous ne pouvez pas. Les enterrer alors. Si vraiment il le faut. Vous avez trouvé votre petit trésor. Je l'ai trouvé. Et? Je l'ai enterré. Vous voyez, Alexandre, il ne sert plus à rien. Car nous avons gagné. Vraiment? Depuis 10 jours, l'Empire est renversé. Il ne reviendra pas ici. Ni la monarchie, ni la tyrannie. Oh, il y aura des guerres, bien sûr. Et notre victoire est pour l'heure circonscrite à la France. Mais je veux croire qu'un jour, celle-ci sera un phare pour le reste du continent. Pour le reste du monde. Nous avons gagné. Vous dites nous,
Mais de qui parlez-vous? De vous, de moi, de ma famille et de mes ancêtres, de ceux dont les rêves façonnent l'avenir et glorifient le passé. Comme vous êtes belle, Adélaïde. Laissez-les, Alexandre. Non, ça jamais. Pour la guerre, cela suffit. Mais pour l'amour, on ne doit jamais cesser d'aimer. Cela, les serviettes propres. Nous allons enlever l'encre dans une vingtaine de minutes. Si vous avez des questions, je suis là, rappelez-moi. Comment avez-vous fait? Que lui avez-vous raconté? Ah, peu importe. Je veux la suite. Je veux la fin de l'histoire. J'ai la gorge sèche. Je suis fatigué de parler. Dans une de mes mains, il y a une pièce. Si vous tombez dessus, je continue mon histoire. Encore. Encore une fois. Je n'ai rien d'autre à vous offrir que la vérité. Je n'ai pas trouvé le château perdu d'Adélaïde. Je n'ai trouvé que des livres, des histoires et des rêveries. Je n'ai trouvé que du vent. Encore une fois. Je choisis cette main. Maintenant, ouvrez l'autre. Si cette main est vide, alors celle que j'ai choisie contient une pièce. Ça y est, vous êtes passé du côté des livres. Je n'ai jamais trouvé le château. Mais un jour, je compris tout d'un coup le message et la charge que m'avait confié mon père. En me tenant sur sa tombe, exactement au milieu du cimetière, je pus distinguer au loin, à travers le portail, un chêne. Le chêne, vieux d'au moins 150 ans, semblait se mêler aux ferrures du portail et former ainsi un calice. Je partis inspecter cet arbre et constatai que son tronc était gravé de plusieurs symboles étranges, très anciens, du sanskrit. Tous ces symboles mis bout à bout formaient une phrase. Veda. Rashtana, Dijvasya. Le savoir est la source de la vie. Mais aussi, la source de la vie est celle qui sait. Ou, la femme sait. Adélaïde savait. La nuit venue, armée seulement d'une pelle, je retournai au pied de cet arbre. Pour pouvoir creuser. Creuser entre les racines entrelacées. Et après quelques heures de travail acharné, ma pelle heurta enfin quelque chose. Un coffret rempli de florins d'or. De florins, de doublons, de rubis, de diamants, de perles. Le jour allait bientôt se lever, alors j'ai pris le coffret et rebouché le trou. Je n'étais plus inquiet, je savais qu'à présent j'avais le temps et les moyens. J'ai racheté les terres alentour, toutes les terres alentour, jusqu'au cimetière lui-même. Puis, un jour, j'ai acheté un château qui jadis appartenait à Jules de Polignac. Pierre par pierre, je l'ai amené à l'inchamp au pied de cet arbre. Puis, seul avec ma pelle, à l'abri de ce château, j'ai creusé, et creusé, et creusé. Qu'avez-vous trouvé? Un coffre. Et encore un coffre, des dizaines de coffres empilés les uns sur les autres, faits du meilleur bois. Chacun de ces coffres contenait la fortune d'un petit pays. J'étais riche, immensément riche. Mais cette fortune ne m'appartenait pas. Alors? Alors, exactement comme j'avais cherché le trésor, je suis allé chercher l'héritière. Adélaïde n'était pas malade.
sur le tableau d'Eugène de la Croix. Elle était enceinte. De qui, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'elle a eu un fils, Hicham, qui lui-même a eu une fille mariée à Youssouf Ibrahim Jawad, un poète algérien. Ensemble, ils eurent 3 enfants, 3 fils. Richard, Mohamed et Youssouf. Richard est mort d'un accident de cheval à l'adolescence. Youssouf a terminé sa vie sans enfant, mais Mohamed a une fille, Yasmina, née en 1912 et mariée en 1934. À Houssine Ben Mahmoud. Tardivement, ils ont eu un enfant, un fils. Kateb Ben Mahmoud. Kateb s'est marié une Française, Sophie Martigues. Ils n'ont eu qu'un enfant, une fille, née le 1er avril 1966. Ils l'ont appelée Alia. Je suis le porteur d'histoire. Je suis fils, petit-fils et arrière-petit-fils de porteurs et raconteurs d'histoire. J'ai pour ancêtre Hérodote et Eusèbe de Césarée. Et vous êtes Alia Ben Mahmoud de Saxe de Bourville. Vous possédez aujourd'hui une fortune immense, inestimable, et le pouvoir d'influencer le monde, d'élever des armées et d'embraser des nations. Non. Un jour, Jeanne suivra votre voie, et sa fille après elle, et sa fille après elle. Ce ne sont que des histoires. La Jeep vous appartenait, l'avion également, ce voilier aussi. Les serviettes sont brodées au nom des Saxes de Bourville. Je ne vous crois pas. Je vais appeler le steward. Allez-y, appelez-le. Monsieur ! Monsieur ! Il s'appelle Jérôme. Monsieur ! Monsieur ! Ce bateau, à qui appartient-il ? À une riche famille de vieille noblesse française. Leur nom ! Quel est leur nom ? Dites-le-lui. Le 18 septembre 2001, Alia Ben Mahmoud et Martin Martin levèrent l'ancre. Et plus jamais je ne revis ma mère. Le 4 septembre 2006, à l'Université de Provence, j'obtins une licence de littérature ancienne. Le 17 septembre 2008, à Villers-Cotterêts, au musée Alexandre Dumas, je contemplais les premières pièces manuscrites du Comte de Monte-Cristo. Les heuliers, les majuscules, les apostrophes et les accentuations étaient les mêmes que celles contenues dans le carnet d'Adélaïde. Et je compris. Alexandre Dumas, romancier, raconteur d'histoire, avait couché sur papier une vie de voyage et d'aventure. La vie d'une femme. Dumas, mort en 1870, avait enterré dans un petit cimetière de province la somme de ses écrits, dans un cercueil, au nom de son héroïne, Adélaïde Antès. Qu'est-ce qu'une histoire ? Une histoire, c'est le fondement d'une vie humaine. Le 8 juillet 2011, Jeanne revient pour la première fois depuis 10 ans chez elle, à Mechta Layadat. Rien n'a changé. Seule la poussière s'est accumulée sur les meubles. Je passe la main sur les livres de la bibliothèque. Je saisis un volume au hasard. C'est l'Énéide de Virgile. J'en connais les premiers vers par cœur. Dans la fleur de mes ans, à l'ombrage des hêtres, je faisais résonner mes airs doux et champêtres. Jeanne, très lentement, ouvre le livre. Puis elle lit les premiers mots. Scientia est principium vitae.
Le savoir est la source de la vie. Jeanne reste pétrifiée. Sur la tranche du volume qu'elle ose à peine regarder, elle découvre un arbre en forme de calice. Ses mains tremblent. Le livre lui échappe. Pendant un instant, elle étouffe. Elle ne peut plus respirer. Alors, elle relève les yeux. Et tout en contemplant la bibliothèque des Saxes de Bourville, la bibliothèque d'Adélaïde, sa bibliothèque. Elle se met à y croire. Qu'est-ce qu'une histoire ? Une petite histoire. Ce sont des mots. Du vent. De l'air en vibration. Le Karine Kadi. Et Martin à la régie. Thank you.
Thank you.